Coucou tout le monde. Bon ben, aujourd'hui ça va être... Attends. Coucou tout le monde. Bon, on est le deuxième jour. Il est 7 h du matin. Je viens de faire mon auto-hypnose depuis un petit moment. Et là, je vais me préparer pour cette deuxième journée. Alors, au point de vue du salon du livre, c'est la journée qui va être la plus chargée pour moi. Donc, je vous emmène avec moi. Alors j'espère avoir assez de batterie ou pouvoir la recharger, pas faire comme hier. C'est pour ça que j'ai pas fait grand-chose sur les rendez-vous d'hier. Parce que je voudrais enregistrer pour vous en faire un podcast, une interview avec Céline Encar. Donc voilà, faut que je ménage ma batterie. Allez, à tout à l'heure les gens, je me prépare. Je viens de découvrir une catastrophe. J'ai perdu mon petit carnet. Donc, j'ai sonné beaucoup parce que d'abord il y a toutes mes notes dessus. Chaque fois que je me déplace, il y avait toutes les notes que j'avais prises à France Télévisions. Il y a des numéros, il y a des codes dedans. Il y a tout quoi. C'est un petit carnet qui me suit partout et ça me fait d'autant plus mal au cœur que j'y tenais beaucoup parce que je l'avais eu lors d'un swap. Donc, voilà. C'était Lecture en B qui me l'avait offert lors d'un swap, alors j'y tenais beaucoup à ce petit carnet, surtout qu'il se composait de plusieurs parties, donc c'était pratique, je mettais d'un côté mes notes, d'un côté mes interviews, d'un autre au dos d'autres choses plus intimes. Bon, ben voilà, ça fait partie des choses de la vie, donc bon, je l'ai perdu, j'ai plus qu'à refaire tout mon planning. Heureusement, pour une fois, j'avais fait une partie du planning sur le Bugeot et c'était en voulant le recopier et puis en ajoutant deux autres auteurs, c'est là que je me suis aperçue de la catastrophe. Donc j'ai retourné toute la chambre et je ne l'ai pas retrouvée. Donc je l'ai fait tomber ou je l'ai oublié à France Télévisions, je ne sais pas. Ce qui me paraît surprenant parce que j'ai mon stylo et mon portable. Donc comme ils étaient les trois l'un sur l'autre. Mais allez savoir avec ma tête de linotte. Bon, et du coup j'ai plus qu'à me racheter un petit carnet là-bas au Salon du Livre. Ça tombe bien, j'en avais vu des beaux. Et puis voilà, parce que moi, sans mon petit carnet, je me sens nulle. C'est un truc que j'ai besoin, je l'ai tout le temps sur moi. Enfin, j'en ai plusieurs hein, sur moi. Celui-là, je l'avais chaque fois que je sortais, il était dans mon sac. Donc voilà. Bon, je vais remettre mon planning pour aujourd'hui. Et puis, je vais aller déjeuner. À tout à l'heure. Et voilà, l'erreur est réparée. Bon, ben moi qui ne voulais pas emmener mon bugeot parce qu'il est trop grand par rapport à mon carnet, et ben j'ai plus qu'à l'emmener avec moi. Mais enfin, c'est réparé. Maintenant, il faudra juste que je refasse toutes mes questions d'interview, alors je les ferai comme ça à la bonne franquette. J'ai donné un coup de pied dedans. Oui, même à l'hôtel, je fais mon lit. Pourquoi? Bah parce que je pense que ça aide les femmes de ménage et puis que je préfère qu'elles fassent le ménage dans la chambre, dans la salle de bain, plutôt que faire mon lit. Et puis entre nous, après ce petit déjeuner gargantuesque, j'ai bien mérité de me brûler quelques calories. Le lit est fait, les dents sont rincées, le sac est prêt. Et ben, ciao! Direction salon du livre. Et je monte et je descends. Bon, allez, c'est reparti pour une journée. C'est tout ça.
C'était le printemps sur Paris, aujourd'hui c'est l'hiver. C'est un petit resto. Avec canard et sa purée pour ce soir. Dans un beau cadre en plus. Autant vous le dire tout de suite, je suis claquée. Bon, il est pratiquement 9h. Je suis rentrée depuis maintenant pas loin de 20 minutes. J'ai d'abord regardé la météo, vu que quand je suis sortie du salon du livre, j'ai vu qu'il neigeait. Après les belles journées de printemps qu'on a eues hier sur Paris, je ne m'attendais pas à la neige, bien que c'est vrai qu'on m'avait prévenu qu'il y en aurait. Autre point, donc non seulement j'ai perdu mon petit carnet ce matin, je vous en avais parlé, j'ai mon cordon de portable qui m'a lâché. Donc j'ai dû courir vite fait ce matin pour en racheter un. Et puis dans les livres que j'ai apportés, j'étais contente. Parce que du coup, il y en aura demain, normalement celui de ma sœur, mais sans quoi il y a un auteur qui a été annulé. Et puis finalement, la raison du cœur a eu raison du reste. Alors, ce qui fait que je n'ai, dans tout ce que j'ai emporté, qu'un seul livre qui a été dédicacé. Je suis contente de m'être chargée pour rien. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez ou si vous avez vu la vidéo où je vous disais que je ne voulais pas me charger trop pour rentrer et que je ne voulais pas acheter 3 tonnes de livres. On est bien d'accord, j'ai dit ça. Donc aujourd'hui, voilà les achats du jour. Alors, je vais peut-être faire un peu de bruit parce que du coup, j'ai oublié de tous les sortir. J'ai pris de Frédéric Arnoux celui-là, Maladresse et Petit Tracas, qui sont tout derniers. Moi, j'adore en plus la couverture. Alors, celui-là, nous l'avait envoyé par Service Express, mais c'était en e-book et j'avais pas encore ma nouvelle liseuse. Et l'autre, quand j'ai ouvert le livre, ça l'a scratché, donc du coup j'ai pas pu le lire, donc Forever. Il y en avait bien un autre, non? D'autres, j'ai un doute d'un coup. Bah, zut, alors j'étais persuadée que j'en avais pris un autre. 1, 2, 3, bon, non, autant pour moi, ça prend bien. Je reviens dans le sac. Non, j'étais persuadée. Ah, mais si, je suis bête. C'est qu'il n'était pas rangé au même endroit. Il est là. J'avais bien su, j'en avais pris un autre. Léo, alors, oui, c'est celui qui est sorti sous son pseudo, Léonabron. Elle est bien aussi, hein, cette couverture. Et le dos. Les autres, c'est vrai que j'ai pas fait attention, mais le dos, ils sont neutres. Enfin, celui-là, tout au moins. Ouais, non, ils sont neutres.
Donc ça, alors dedans j'ai eu beaucoup beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses, surtout beaucoup de chance parce qu'on m'a mis plein de petits goodies que je cadre bien. Avec plein de marque-pages pour ma collection. Voilà, tout ça en marque-pages. Rien que, alors si vous avez, 1, 2, 3, je suis fatiguée. Si vous avez l'occasion d'aller au Salon du Livre, faites un tour sur ce stand, parce que vous allez voir, c'est ce stand-là qui m'a donné tous ces petits marque-pages. Ça vaut le coup, non? J'ai eu en plus un petit bijou. Voilà. Un petit pendentif. Je vais vous le sortir. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert. J'espère. Ah non, c'est bon. J'espère ne pas avoir trop de difficultés à l'ouvrir. Un beau petit bijou. Voilà. C'est mignon comme tout, hein. C'est vraiment trop beau. Donc, voilà. Après. Je vais rester dans les livres parce que j'ai pas fait que des livres. Donc ça c'est pour. Hop, ça c'est fait. Donc, oups, celui-là. Donc celui-là vous connaissez, je l'ai pas acheté aujourd'hui. C'est le seul que j'ai fait dédicacer finalement de tous. Je vous en avais parlé dans la vidéo de mon planning pour le Salon du Livre. J'ai pris la dernière collection de Sandrine Wolf et Anne Pichotta. Donc c'est bien le deux, enfin je veux dire ce sera bien une duologie. Hein. Il n'y aura pas d'autres tomes, je leur ai posé la question pour savoir. Depuis que je me suis fait avoir avec Suzanne Hopper, je prends mes précautions. Donc j'ai pris aussi... Le dernier, c'est l'année de guerre qui n'en est pas tout à fait un. Vous allez voir dans l'interview, elle en parle. Alors, l'interview, on l'a enregistrée, non pas en vidéo, parce que le cadre ne s'y prêtait pas, mais au moins en audio pour en faire un podcast. Donc, dès que le podcast est en ligne, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant. Et j'ai pris l'avant-première d'Aurélie Wallenstein, le dieu oiseau. Donc voilà, j'aime bien la couverture, elle est magnifique, et en plus, ça, l'univers comme ça me fait penser au roi des fauves. Donc, voilà. Alors, heureusement, j'avais dit que je voulais pas ramener 3 tonnes de livres, on est bien d'accord, hein. J'avais dit ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Oui, mais demain, je fais pas que pour moi, mais il est possible que j'en achète un demain aussi. Parce que je vais aller redire bonjour à Florence Cochet. Et je l'ai déjà lu, celui qu'elle signe, mais je l'aime bien. D'abord, ça faisait partie de mes coups de cœur. Je l'avais en e-book, mais comme c'était sur l'ancienne liseuse, à mon avis, je ne l'ai plus. Et puis bon, autant faire travailler les gens que j'aime bien. Donc, et Florence Cochet, j'aime beaucoup son style. Ensuite, ce matin, je vous disais que j'avais perdu mon petit carnet, ce qui est toujours vrai parce que je ne l'ai pas retrouvé. Alors du coup, je suis passée sur un stand que j'aime beaucoup également. Enfin, il ne fait pas que des carnets, il fait aussi des livres. Et j'aime beaucoup les illustrations et les Oh, quand on est fatigué, on trouve pas, c'est beau. J'aime beaucoup l'univers qui présente en marque-page, en carnet, en livre et tout. C'est sur les elfes et les animaux, dont les chats. Donc, je me suis laissée convaincre pour ce petit carnet pour compenser par... Alors, il y a un reflet, c'est parce que j'ai pas enlevé le plastique. Voilà, celui-là, ça va remplacer le petit carnet que j'ai perdu. Je trouve trop mignon le chat là-dessus. Et puis, je me suis pris celui-ci, un peu plus grand. Et celui-là, ça va être pour me faire mon carnet de suivi de fitness.
Voilà, je vais mettre mon programme fitness, le suivi. Pour l'instant, je le mettais sur le bujo, mais j'avais jamais assez de cases parce que je ne savais pas la place qu'il fallait que je lui laisse. Et puis, j'ai pas envie qu'il soit sur le bujo. Moi, j'aime le carnet, j'aime. Voilà, j'en ai partout. Ça, j'arrive pas. Autant le bujo arrive à me gérer au niveau des post-it, j'en ai beaucoup moins qui traînent. Autant j'arrive pas à me faire à l'idée d'arrêter les carnets pour tout mettre sur le bujo. Donc voilà. Surtout que d'une fois sur l'autre, par exemple, si vous mettez les recettes ou les suivis sport, il faut les remettre sur. Alors bon, je vois pas l'intérêt. Et puis bon, je pense pas que les copines vont regarder, donc je vais vous montrer. J'ai pris ça pour des amis. Hop, voilà. Voilà, pour aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal pour quelqu'un qui avait dit. Et puis en plus, j'ai eu un petit tote bag par voilà, les éditions EXO. Voilà, donc ben, sans quoi comme vous avez vu, enfin, comme vous avez vu, oui, disons que j'ai pas eu le temps de manger à midi. Et puis, quand je suis sortie du salon du livre, il neigeait, donc j'ai pas eu envie de faire des kilomètres pour, enfin, des kilomètres peut-être pas, mais j'ai pas eu envie de rester trop longtemps dehors pour trouver à manger. Donc j'ai préféré rentrer. En plus, il y avait, comme par hasard, des problèmes sur la ligne 12 du métro parce que quelqu'un avait oublié un sac et c'était la panique à bord. Un sac non identifié, donc du coup, au lieu de rentrer en pratiquement 50 minutes, sur pratiquement 1 heure, j'ai mis 1h15 pour arriver là. Donc j'ai mangé, ben, vous avez vu un peu plus tôt, j'ai mangé du canard et puis de la purée avant de revenir à l'hôtel. Donc là, ben, comme hier, je vais prendre une douche et puis eh ben, je vais me coucher. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que je continue le Marissa Meyer ou est-ce que je commence le Sylvain Edgar? C'est ça, quand on en a trop, on ne sait plus. Marissa Meyer, dans le métro ce matin, j'en ai grignoté quelques pages et ça a l'air d'être vraiment intéressant aussi. Bon, je vous avouerai que la dédicace de Sylvain Edgar m'interpelle un peu puisque il me parle de l'univers de son livre et puis il n'y a pas que à moi, elle a demandé l'avis à quelqu'un d'autre et ils ont l'air de dire que. Donc ça m'incite à le découvrir encore plus. C'est marqué une histoire pour se réchauffer quand il fait froid et sombre au dehors. Donc ça a l'air d'être tout un programme. Donc. C'est en fait, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est une trilogie. Voilà. Alors le deuxième sort dans 2 mois et puis l'autre quelques mois plus tard. Donc on va pas attendre trop longtemps entre chaque tome, ça c'est parfait. Bon, allez, je vous laisse. Et puis ben, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos. Enfin, être tenu au courant pour les autres vidéos. Mettre la petite cloche également. Vous pouvez toujours aller faire un tour sur les blogs. La vie de Mikaeline et Petit Loup Malin. Pour l'instant, il n'y a que celui-là, puisque Coach Tavi n'arrivera que quand je vais rentrer. Et puis, bon salon si vous allez au salon demain. Bye bye!